D'accord. L'assurance sur le pare-brise, elle est plus bonne. Alors, est-ce que vous avez vraiment l'attestation qui est valable? D'accord. Avancez un petit peu là. Voilà. J'ai envoyé une lettre comme quoi il manquait des dossiers et j'ai envoyé le dossier, du coup j'attends. J'ai un numéro sur le... Avant de valider tout ça, hein. Vous avez permis de toute façon, je pense. Ça, vous avez pas Bah, il est là en fait, c'est justement le certificatif qui me sert à conduire en fait. Tout à fait. C'est un restaurant étoilé ? Non, du coup, non, c'est un petit restaurant, c'est Table à Pizza, je sais pas si vous connaissez. À Gonesse ? Ouais. Vous habitez où ? À Villepinte. Absolument, vous récupérez une ferme forcée de la préfecture. Ouais. Vous leur envoyez un mail, maintenant vous avez envoyé un mail directement. Venez, vous allez pouvoir y aller. Merci beaucoup. Bon. Tous les papiers sont en règle ? Tout est en règle. Vous avez oublié vos papiers chez vous ? Je pense. Vous les prenez pas systématiquement quand vous conduisez ? Je ne raconte pas des bêtises. Je sais pas combien de véhicules. Eh ben dis donc, j'ai un peu de leçon de voiture. T'en veux combien de cartes grises? Ah bah c'est bien. Bah, sinon le permis ou une pièce d'identité. Ça vous avez ça au moins? Ouais. Il est pas bon. Et le permis? Le permis, vous l'avez ou vous n'avez pas de permis du tout? Non, le jeune, j'ai. Vous avez un permis de conduire? Je suis jeune conducteur. Tiens, serrez-vous sur le côté là. Tenez, allez-y, avancez. Avancez là-bas, je vais un peu plus loin. Ouais, vous serrez. Non, mais l'assurance, elle n'est pas sur la voiture, donc vous allez la laisser là. Oui. La voiture, et vous, quand, tant qu'elle n'est pas assurée, vous allez la laisser là, elle va être immobilisée ici. Sur un coup de fil, elle est sur le coup de fil. Non, mais c'est pas un coup de fil. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un pas de ça? Ah non, non, mais c'est bon, ça se passe pas comme ça, monsieur. L'assurance, elle est où? À la Carrefour? Non, l'assurance elle est à dans la voiture. Ah ben oui, mais là vous allez repartir à pied, hein, je vous dis. Le contrôle technique, monsieur, il n'a pas été fait le contrôle technique. Vous n'avez pas le permis. Vous n'avez pas la carte grise. J'ai le permis, mais je n'ai pas sur moi. Je comprends, mais le véhicule est un ami. Toujours est-il que là pour l'instant, pour moi, vous n'avez aucun document vous permettant de circuler avec ce véhicule. On est d'accord sur le principe? D'accord. Bon. Il y a trois patins. Ouais. Il est positif, c'est quelle couleur? Les barres différentes, c'est différentes. En fonction des drogues différentes? Mais il y a... Alors, il peut être positif au cannabis, à l'amphétamine, à la méthamphétamine, à la cocaïne, à l'opiacé. Voilà.